Yes, Charlotte, ça va? Enfin te voilà, ça fait un quart d'heure que je t'attends. Ah non mais je suis au taquet, ça y est, j'arrive, c'est tout prêt dans ma tête, les slides, on est bon. Version palmarès de l'immobilier 2021. Stop. Pourquoi tu me parles de slides? Bah slide, version digitale quoi. Mais cette année, Romain, ça fait trois fois que je t'en parle, c'est du physique. C'est du physique, oui, avec retransmission digitale, mais c'est remise des prix enfin dans les mains. Ah, il y a les deux. Oui. Ah, donc je reprends ma veste d'animateur, envoie les gens pour de vrai, les remises, les trophées, oui, tout ça, c'est parti. Bonne nouvelle. Bah, c'est carrément bien, mais ça fait plus de boulot un peu. Rendez-vous quand déjà? Fin novembre. Fin novembre. Deux jours. D'accord, pour le congrès et surtout la remise des 15 trophées, c'est bien ça, je ne me suis Exactement. Pas trompé. Bon Charlotte, les critères cette année, de toute façon, c'est facile, c'est comme les autres années, c'est ça? Exactement pareil. Communication globale de l'agence, nombre de ventes par agence. C'est exactement là-dessus qu'on se base. Et de toute façon, toutes les informations, ils peuvent les retrouver sur le site du palmarès de l'immobilier. .fr, c'est ça Charlotte, mais cette année, nouveauté. Ouverture des candidatures aux agences qui n'ont pas de vitrine, mais qui peuvent recevoir du public. Ok, bah alors avec ça, Charlotte, je pense qu'on va faire péter les inscriptions. C'est un beau défi, alors on compte sur vous, les amis. Inscrivez-vous. Globalement, rien ne bouge. De toute façon, on a tout sur le site. Comme les autres années. C'est facile. C'est facile. Non, elle ne parle pas. Les infos, c'est sur Internet que ça se passe. Le palmarès. Le palmarès. Communication globale de l'agence, nombre de ventes. Mais oui, mais... J'y arrive pas là. Pourquoi ça part comme ça? C'est incroyable, c'est fou rire.